que cherchons-nous en priorité aujourd'hui? Beaucoup parlent de l'emploi. D'autres mettent l'accent sur la crise économique, la vie chère, le prix exorbitant du carburant. La parole de Dieu nous invite à faire la différence entre l'important et l'essentiel. Plus notre monde va, et plus nous avons l'impression de n'avoir plus de certitude. Et pourtant, les hommes semblent avoir plus de connaissances. Il est temps pour nous de reconnaître que seul Dieu peut garantir la paix et la sérénité dans un monde où l'avenir est si indécis. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Dieu nous a donné sa parole pour que nous avancions avec sérénité dans ce monde troublé. L'essentiel, c'est de vivre dans la présence du Seigneur en faisant confiance aux promesses qu'il a faites. Les promesses du Seigneur nous rendent plus forts chaque jour. Et c'est en faisant confiance à Jésus que nous atteindrons le but. Dieu est là. Ta bénédiction aussi. Bon sabbat délices. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant les nuits. Dites merci au Seigneur,
car il est bon et son amour est pour toujours. Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Remplis ce lieu.
nous devrions étudier de façon à imiter le modèle, afin que l'Esprit qui habitait en Christ puisse habiter en nous. Le Seigneur n'a pas été trouvé parmi les personnes exaltées et honorées par le monde. Il ne passait pas son temps parmi ceux qui recherchaient leur aise et leur plaisir. Partout, il faisait du bien. Plus nous partageons l'Esprit du Christ, plus nous verrons ce qu'il y aura à faire pour nos semblables. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de l'Éternel dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de Dieu adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je vous invite maintenant à prendre la fin du livre, Jonas chapitre 4. À partir du verset 1. Quand Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, rends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel répondit, « Jonas, fais-tu bien de t'irriter. » Éternel, parle à nos cœurs en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Ninivite, grognait-il comme un juron sur ses lèvres. Pourquoi Dieu voudrait-il sauver les Ninivites? Ils sont cruels, ils sont brutaux, à peine humains. Et je ne veux rien avoir à faire avec leur salut. Non, ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Ninivite, grommelait-il tandis qu'il embarquait pour Tarsis. Des conquérants, des oppresseurs, des monstres, pas des hommes. Je n'irai pas. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Ils ne profiteront pas des paroles du prophète Jonas que je suis. Oh non. Ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Ninivite, Ninivite, murmurait-il, regardant de la tête aux pieds chaque marin qui était sur le bateau. Stupide, vil, ignoble. Certains de ces marins en ont vraiment l'air. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. Ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Ninivite, expliquait-il, tandis que la tempête s'abattait sur le bateau. Je n'apporterai pas le message de Dieu aux Ninivites. C'est bien pour ça que nous sommes dans ce pétrin. Bon, jetez-moi à l'eau et vos ennuis seront terminés. Ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Ninivite, maudissait-il tandis qu'il coulait à pic dans la mer, indifférent, insensible, sans une once de compassion. Je savais bien qu'il finirait par me tuer.
dérangeait pas Jonas. Ah, les Ninivites, soupirait-il assis dans le ventre du poisson. Encore eux. Bon, ok. D'accord, j'irai leur parler. J'irai. Je n'aime pas cela. Je ne les aime pas. Je ne le veux pas. Mais Dieu le veut. Puisque je suppose que c'est pour cela que j'ai été sauvée. Seigneur, j'irai. Mais ça ne dérangeait pas le prophète Jonas de les injurier. Ninivite, marmonnait-il en faisant le tour de la ville. Ils en ont de drôles de tête, une drôle d'odeur, un drôle de langage. Mais je vais faire mon devoir. Je vais faire ce que j'ai promis de faire. Ça ne dérangeait pas l'envoyé de Dieu, Jonas, de les injurier. Ninivite ! S'écria-t-il, s'efforçant d'y mettre de l'entrain. Vous avez 40 jours pour changer vos habitudes ou Dieu détruira votre ville. Et les Ninivites se repentirent comme un seul homme. Mais ça ne dérangeait pas le croyant Jonas. De les injurier. Ninivite, ricanait-il en gravissant une colline hors de la ville. Ils font semblant. Ils n'ont pas vraiment changé. Ils sont la superpuissance du moment. Ils menacent tout et tout le monde. Ils contrôlent tout et tout le monde. Et quand ils reprendront leurs vieilles habitudes, je verrai Dieu les détruire quand même. Ça ne dérangeait pas. Le messager divin Jonas de les injurier. Ninivite, grimaçait-il, assis à l'ombre d'un petit arbre. Allez, Ninivite, j'attends de vous voir tomber, de la voir la vengeance de Dieu enfin à l'œuvre. Il doit écraser votre ville. Mais, dans la nuit, Dieu envoya un ver qui tua le petit arbre. Et ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Ninivite, lâchait-il en regardant son petit arbre. Ce sont eux les responsables, j'en suis sûr. Ils sont méchants, ils s'en fichent de tout. Et c'est alors qu'il entendit la voix de Dieu. Dieu avait un problème avec les injures. Et ce prophète le rendait fou. Jonas, soupira Dieu, ne sois pas fâché, les habitants de cette ville sont des gens comme toi, je les aime comme toi. 120 000 hommes, femmes et enfants, si la mort d'un petit arbre est importante, ne devrais-je pas aussi me soucier de leur sort? Et l'histoire, dans la Bible, s'arrête là. Pas sur une réponse, mais sur une question. Sommes-nous prêts à aimer ce que Dieu aime, même si nous ne les apprécions pas? Même s'il nous semble ne pas devoir mériter le salut? Même si nous avons peur d'eux? Même s'ils sont plus puissants que nous? Même si nous ne savons pas comment les aimer? Ça ne dérangeait pas Jonas de les injurier. Toi et moi et nous, prions ensemble. Aie pitié, Seigneur. Sois patient envers tes enfants. Apprends-nous à oser te servir même quand nous ne comprenons pas ce que notre humanité ne veut pas. Éloigne de nous racisme, peur de l'autre, sentiment de supériorité religieuse. Apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. Apprends-nous à aller jusqu'au sacrifice à la croix.
Et accorde-nous, Seigneur, la joie de marcher en unité d'esprit, avec tous tes enfants de par le monde, lorsque tu reviendras. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Christ est mon rocher. Le chrétien est invité à apporter ses fardeaux à Dieu dans la prière et à s'attacher étroitement au Christ par les cordons de la foi vivante. Le Seigneur nous appelle à prier, déclarant qu'il entendra les prières de ceux qui ont confiance en sa puissance infinie. Il sera honoré par ceux qui s'approchent de lui, qui travaillent fidèlement à son service. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Je resterai fort.
larmes rouges, que ferais-je? Si mes choix ne sont plus libres, si plus rien n'a de sens, que ferais-je? Peu importe ce que l'on peut dire de moi, c'est en toi seul que j'ai placé ma voix. J'ai vu ta puissance agir tant de fois pour. En observant le sabbat, rappelons-nous que c'est le signe que le ciel a donné à l'être humain pour lui montrer qu'il est accepté dans le bien-aimé. Que s'il est obéissant, il pourra entrer dans la cité de Dieu et manger le fruit de l'arbre de vie. Toi qui as aimé passer ce sabbat en notre compagnie, je t'invite à le partager afin que nous puissions passer ensemble un bon sabbat délices.